Bienvenue au camp des recrues de Saint-Jean. Voyez! Comme ça, on veut rentrer dans l'armée, hein? Comme ça, on a vu les annonces à la télévision, puis on a décidé de s'enrôler, hein? Ben, laissez-moi vous dire, il n'y a qu'une affaire. La vraie vie, ça commence tout de suite! Puis c'est pas un pique-nique! C'est-tu clair? Ma gang de pourri! Bon, vous montrer à vie, moi! Compris? Bande de pas propre! J'aurais besoin d'un volontaire maintenant! Toi! Voyage! Ton nom? Michel Barrette. Pardon? Michel Barrette. On n'est pas voyage! On n'est pas ici! Pour faire les bouffons, Barrette, hein? Ton nom? Michel Barrette. Michel Barrette, sir! Michel Barrette, sir! Rends-moi ça! Sir! Rends-moi ça! Sir! Sir! Vous trouvez ça comique, vous autres, hein? Tout le monde tout nu! Examen médical! Es-tu parti? Ça, c'est rien, t'es de bonne humeur, là. Ben, à vous, remarquez comment je suis resté calme, hein? Moi, ça me faisait sourire cet été quand je voyais tout le monde être pressionné parce que le jeune soldat de Cloutier avait fait face à lasagne. Y'a rien là, lasagne. Moi, quand j'étais dans l'armée, c'était gros bien pire. Oh, parce que mon caporal-chef était bien pire que lui. Parce que moi, le matin, mon caporal-chef, quand il me parlait, là, il me parlait pas à 6 pouces du nez, il me parlait à 6 pouces dans le nez, moi. Et mon caporal-chef, il avait pas de foulard dans la face, non, non. Il avait mauvaise haleine, mon caporal-chef. Ça avait pas été dans mon caporal-chef. Moi, vous dire le truc, pour avoir été dans l'armée, c'est il faut que tu te concentres. T'sais. Lui, il parle, mais tu penses à autre chose. T'sais, tu penses à ta transmission qui est en train de te lâcher, à ta blonde qui est en train de te lâcher, à tout ce qui va te lâcher parce que tu as fait de la gaffe de rentrer dans l'armée. T'sais. Non, mais je veux pas dire par là que nos militaires sont pas courageux. Non, non, ils sont très courageux. Mais oubliez pas une chose, c'est que l'ennemi numéro un de l'armée canadienne, c'est pas Saddam Hussein, non. L'ennemi numéro un de l'armée canadienne, c'est l'équipement de l'armée canadienne. Non, mais c'est vieux, ils ont dû acheter ça au marché aux puces, tu sais. On a de l'air fou, on est toujours au moins deux guerres en tasse, tout le monde. Hey, je sais, t'es au front, t'as un fusil dans les mains, là. Ben, c'est plus dangereux pour toi quand tu sais que pour le gars d'en face, tu sais. Ça, c'est rien, ça. On parle pas des bateaux, là. J'étais là, moi, à Halifax, quand les militaires sont partis en bateau, pour le golfe Persique, là. Ben, il y avait peur, nos militaires, hein. Non, il y a pas peur d'aller se battre, il y a peur de pas se rendre, t'sais. Écoute, j'irais même pas en pêche avec ces bateaux-là, moi, t'sais. C'est tellement usé, il y a de la peinture qui les tient, t'sais. Quand t'es trois couches, pas pire, mais en bas de ça, ça cale. Quand ça commence à caler, oui, ils barrent les portes, font des sous-marins avec, t'sais. Non, j'étais là-dedans, je veux dire. Ça, les bateaux, c'est pas pire, les avions à cette heure. Des F-18, là. Ben, je dis des avions qui atterrissent tout seuls, là. C'est plus épeurant de voler un F-18 que de rencontrer Marc Drouin quand t'es sur le gros nerf. Non, mais je suis pas le seul qui le dit. Il y a même un ancien ministre qui l'a dit, ça doit être vrai. Comment il s'appelait? Gilles Lamontagne. Il avait volé, lui, en F-18. Il avait dit, voler en F-18, c'est comme faire l'amour. C'est ça, faut que tu te protèges. Mais ce soir, en cette fin d'année, j'ai une bonne nouvelle pour nos militaires dans le Golfe. Inquiétez-vous pas, puis dites à Saddam Hussein qu'il peut commencer à avoir peur parce qu'on vous envoie du renfort. Pas plus tard qu'un matin, il y a 12 000 agents de la Sûreté du Québec qui sont partis en skidoo pour le Golfe Persique. Fait que, bonne année, Saddam!